Les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo 24 heures avec le frérot Massu. Merci pour l'invitation. Je sais à peine comment ça va se passer. Sache que ça va être full freestyle. C'est un peu stressant. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est essayer de ne pas crier pendant 24 heures. On va être dans une villa, dans un petit Airbnb tranquille. Dans nos sacs, on a préparé des petits trucs pour un peu surprendre l'autre, pour essayer de le faire crier. Et en vrai, après, il y aura aussi peut-être des petits happenings un peu plus préparés qui vont se passer. T'as regardé un peu dernièrement, t'es content ou pas? C'est vrai que toi, les happenings, tu les as préparés avec ma carte de prod. Ouais, un peu, ouais. T'inquiète. Non, pour de vrai, Non, tranquille. Sache que en vrai de vrai, c'est vraiment un prétexte pour passer un bon moment ensemble. Ok, ça me fait plaisir. Donc ça veut dire que tu m'as mis bien un peu. Ouais, c'est cool. C'est parti. Vas-y, let's go. Oh, ah ouais, petit jacuzzi, petite balançoire. Mec, ensoleillé comme ça et tout. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Les gars, on va passer des 24 heures de folie. Wouh. Tu peux me pousser? Un daron et son fils. Mec, j'ai pas pris le maillot de bain. Mais moi non plus, j'ai même pas pris d'affaires de rechange. J'ai rien, mec. T'as rien? Un caleçon? Sur moi. Ça se retourne en vrai. Quoi? Non? C'est ici qu'on va passer les 24 prochaines heures. Même si on va peut-être un peu bouger. Oh, oh, what the fuck? Oh, ça sent bon. Eh, ça sent bon de ouf, ça sent le parfum. Oh, oh mec, c'est trop stylé. Par contre, pourquoi il y a... J'avoue, pourquoi il y a un bug, ouais? Ah, mec, il y a déjà le compteur de décibels. Oh, il est au milieu de la pièce. Mec, oh, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable et en même temps, ça va être un enfer. C'est déjà stressant, j'ai déjà envie d'arrêter de crier là. Par contre, le Airbnb est incroyable. Tu t'attends pas à ça quand t'es dans la rue? Oh! Il est triste quand tu cries. Oh! 119! Oh, mec, j'ai même pas forcé. Hey, quoi? Je m'étais renseigné avant la vidéo et je crois que le record de comptage de décibels enregistré par un humain, c'est 128. Pour de vrai, j'ai l'impression que c'est grave faisable. Oh, il y a 121. Attends, j'ai fait 123, non? Oh, 125. T'as fait 125. C'est vrai? Je te jure, c'est vrai. Ah, ah, ah. Wow, wow. Arrête, t'es en train de le rendre triste, là. 117. Quand la vidéo va commencer, on va pas devoir dépasser les 90 décibels. Et après, plus la vidéo va continuer, plus ça va descendre. Ça veut dire fin de la vidéo, on est en ASMR, quoi. Bah, ça dépend, on termine à combien, mais il y a moyen. Là, juste quand tu parles, t'es à 74 décibels, déjà. Mais en fait, c'est ça qui me terrifie. Ok, donc là, c'est 42 décibels quand je... Mais 70 déjà. Mec, à partir de 70, ça va être la merde. Hein. Alors, attends, ici, il y a quoi? Oh, il y a une petite pièce secrète, ici. Ah. Ah ouais. Oh, il y a un filet, mec, t'as regardé tout ou pas? Mec, un truc comme ça chez toi, c'est que t'es vraiment une moulin. Oh. Eh, mais attends. Non, mais là, mec. Oh, tu l'as fait bipper? Attends, 124,3, tu l'as fait bugger, là. 124,3, vas-y, à toi. Oh, mais on a fait le même score. Attends, c'est le max. Énervé, frère. On a fait 124,3 tous les deux. Un bâtard. 125,6. Là, quand je parle comme ça, je suis à combien, là? 92, mec. En fait, ce truc-là, il est traître. Si t'es comme ça, là, je suis à 70. Si je suis comme ça, je suis à 90. Ouais, c'est abusé. Hop là. Allez, force, mon frérot. Ah. T'as crié un peu fort là. Ça a pas commencé. Là, ça a pas commencé, on est en mode exploration. On est en mode exploration, okay, encore. Oh putain. Les premiers pas de Massu sur le filet. Oh. T'es bien en vrai? Oh, en vrai, je suis trop bien. Oh, oh là. Putain, on est bien. On est bien de ouf. Mais mec, on a accès au dressing du gars. Bah voilà, t'avais pas de caleçon. Bah voilà, parfait. Ici, on va poser chacun nos sacs là. T'as ton petit sac à malice quelque part par ici. T'as le mot sac à malice. Vraiment, j'ai la trend TikTok là avec la musique qui fait. Ah, le farfadé. Mais tu vois, y'a ton petit sac à malice ici. La caméra confessionnelle et là t'es en mode. Ouais, alors là, Massu, je vais le faire flipper. Je vais commencer à mettre ma main dans son caleçon. Ouais. Comment ça? T'as pété là? Non. Si? Non, je sais. Non. Si, si. Non? Bah si, je te dis si. Ok. Je te propose une chose, c'est qu'on monte nos sacs et en vrai je pense qu'on va pouvoir commencer. Les gens, ils vont découvrir mes happenings en même temps que toi et ils vont être surpris. Ok, top, top. Oh, j'ai un appel. Ok, génial, merci. Oh, Massu, mon premier happening est déjà prêt. À partir de maintenant, on ne peut plus crier pendant 24 heures. Ok. Oh putain. On était synchro. À partir de maintenant, on doit plus faire au-dessus de 90 décibels. Plus au-dessus de 90 décibels. Hey. Les gars, il est approximativement 11h. Donc demain à 11h, ça sera la fin. Dès que quelqu'un crie, il prend un point. Celui qui a le plus de points à la fin a perdu. Simple, efficace. Regarde, je suis tellement à l'aise. Hey.
Oh le cap, 83,9. Putain, mais comment est-ce qu'il est déjà là, je comprends pas. Attends, je monte juste les sacs. Mec, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais de base, il y a un chat dans le Airbnb de temps en temps. Mec, tout ce que tu me dis est louche. J'ai l'impression que tu le fais, et là t'es en train de mentir. Non, c'est que pour de vrai, c'est le chat du proprio. Il va être là peut-être de midi à minuit, genre. Il est où ton sac à malice? Il est là, moi. Attends, fais voir un truc vite fait. Le tien est beaucoup plus léger. Plus léger, mais il y a beaucoup plus de choses efficaces dans le mien. Je vais ranger les sacs à malice, promis, je regarde pas le tien. Ça, c'est vraiment règle d'or. Ok, on regarde pas dans le sac de l'autre. Ouais, vas-y. On est obligé. Le petit sac de massu. Dans le fond, pour de vrai, ça me hype de zinzin le concept. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et si je vois que vous kiffez ce genre de vidéo, peut-être qu'il y aura un épisode 2, les gars. C'est parti. En fait, j'ai peur qu'il y ait un décalage entre nos happenings. Moi, en vrai de vrai, j'ai préparé des happenings qui potentiellement peuvent te faire crier, mais je suis aussi allé un peu dans juste jouer la surprise. Là, j'ai un petit stress qui s'installe. Genre, il y a des trucs, je sais que ça va pas spécialement te faire crier, mais juste ça va créer une réaction chez toi et c'est juste, ça me régale. Vas-y. Hop, 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 hop. Mon frérot, t'es prêt? Écoute, j'ai pas trop le choix, je crois. Moi, je suis dans un esprit de j'ai envie qu'on rigole et qu'on passe des bons moments. Ouais, moi, tu me l'as vendu comme ça. Ah oui, t'as un chauffeur et tout. Oh, ah oui. Ah oh, ouais, même moi, je viens de découvrir qu'il était en Costa Rica. Bon. Hello. Valentin, enchanté. 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 Hop. Vous avez un accent anglais? Okay. Enchanté, Valentin, merci beaucoup. Tu sais pas, mais si ça se trouve, c'est dans le van que ça commence la merde. Hein. Ah ouais? Peut-être. Non, là, t'es en train de mettre du suspense. Moi, je suis serein. Valentin, il m'a l'air d'être très sympa. Valentin, good guy, tu crois? Peut-être que Valentin, c'est un cascadeur et le van, il va faire un accident de fou. Non, en vrai, non. J'ai peur que tu m'aies fait un truc du genre saut à l'élastique ou saut en parachute. S'il y a vraiment un truc genre saut à l'élastique ou saut en parachute, c'est que je pense que c'est un vrai défi de ne pas crier. Ouais, je suis d'accord que c'est hardcore. Je pense, je sais même pas si, enfin, si je pense que c'est possible. Ouais, ça doit être bizarre. Mais tu sais que Valentin, c'est mon chauffeur privé. Ouais, t'es un chauffeur privé, toi? Attends, maintenant, attends, on présente sur TF1 maintenant. Ah ouais. Non mais c'est pas vrai. Je t'amène dans un endroit très cool. Ok. Ça c'est 100% vrai. Tu m'emmènes le roi Merlin, mais non. Putain, t'as deviné. Let's go. Mais c'est ça, Christian, il voulait à tout prix aller à le roi Merlin. C'est qui Christian? Jonathan. Bah, oh. Oh là. Oh là. Adrien. Ouais, grave, grave. Attends, pour deux. Je ne t'aiderai pas dans ce pourvier. T'as dit que t'étais proche de lui. Vincent. Victor? Non, c'est pas Victor, tu trolles. Valentin? Eh oui. Ah, let's putain, go. Mais comment j'ai oublié ça? Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu drôle, tu l'as appelé Christian. Christian. Oh là, on est en train de s'arrêter là. Tu m'as emmené où? Une bibliothèque. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Attends. Une bibliothèque. Merci beaucoup, Georges. Hop, 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 hop. Bah, en vrai, suis-moi, hein. Petit MK2. En fait, c'est un petit date. Prends les pop-corn. Je pense que c'est important. On va se faire une petite projection privée. Ah oui? Ouais. Ok, ok. Bah prends ta commande, hein. Prends ce que tu veux. Je vais vous prendre du pop-corn. Alors du coup, en quel format? En petit format, je pense. C'est par où? C'est par ici. Merci. Merci. Oh, c'est magnifique. Mec, mais t'as vraiment privatisé une salle de cinéma là? Ouais. Mais c'est pas possible. Petite projection privée. Mais attends, mais c'est incroyable. Je veux que tu te sentes bien. Personne n'avait jamais privatisé de cinéma pour moi. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est là, c'est... Bah ouais, là, c'est l'inédit, bah, là. Voilà. Et moi, le seul truc, c'est que là, j'ai un petit truc. Ah ouais? Ouais. Tu respectes avec moi? Désolé, putain. En plus, on avait pris les pop-corn et tout. Ah ouais, mais c'est dingue que tu t'en rendes compte que maintenant. Ouais, rendez-vous, là. Vas-y, ça marche. Ouais, j'ai un autre rendez-vous, je vais vlogger un autre. Vas-y, bah moi, je vais vlogger de mon côté, alors. Mec, pour de vrai. Ouais. Profite, parce que c'est un bon moment que tu vas vivre. Je me le vends beaucoup trop pour que ça soit réellement un bon moment, j'ai l'impression. Profite, mec. Vas-y, merci, mec. Oh, les gars, je suis tout seul dans un cinéma, c'est incroyable. La sensation est magnifique. Oh, ça part si vite. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai suivi les cours en médecine légale. Et je sais aussi qu'en plusieurs meurtres ont un rapport entre monsieur Oswald. C'est dur à croire. Regardez le mode opératoire. Je lis dans certains rapports que le meurtrier avait drogué ses victimes. Les gars, j'ai l'impression qu'on m'a mis un film, là, juste. Mais genre, on m'a mis au milieu du film. Comment ça va? Ça va. Ah, le film, il est lancé? On lui a prévu une petite projection avec des petits happenings, des petits trucs qui vont se passer. Qu'est-ce qui peut nous faire crier dans la vie? Le sursaut, l'horreur. Mais les gars, il a vraiment loué une salle de cinéma pour me mettre un film, juste. Parce qu'en plus là du coup il est en train de comprendre ce qui va se passer. Oh fais chier.
Est-ce que c'est toi, Mich? Vous avez compris, il y a des comédiens qui vont essayer de le surprendre, lui faire peur. Je leur ai dit de crier en même temps. Parce que si eux, ils crient. Mastu, dans le sursaut, peut-être qu'il peut. Ah, il peut crier. Tu te retrouves face à quelqu'un qui crie, t'as envie de crier. Moi, ouais, je suis monté haut dans les BPM là. C'est ouf. Il était sympa ton opening, Mich. Concentre-toi dans le film, mon frérot, c'est pas fini. Ah, hein. C'est pas fini, pardon. Ça continue encore là? Putain, j'ai eu tellement. J'ai le cœur qui bat super fort. Putain, mais Mastu, l'entends, il parle à la cam, il est en train de taper des barres. Je suis plus concentré dans le film que lui. J'ai trop le seum. Le film est sympa, mais je l'ai déjà vu, je crois. Je crois que je l'ai déjà vu. Ce symbole a été retrouvé sur le lieu d'un meurtre. On n'a pas pu établir de lien avec un culte de ce type. Je suis trop dans un mood où j'ai peur pour rien là. Je l'ai perdu de vue. Maintenant que je sais qu'il y a des bonhommes qui se baladent dans le truc, ça me fait peur. Je vais essayer de le faire flipper, impro total. Je suis trop con, je peux pas crier moi. Je voulais aller derrière lui et crier. Et après je viens de me dire, mais je peux pas crier. Puis si je l'attrape l'épaule, il va pas flipper quoi, il va pas crier. Putain, je suis trop con. Et c'est une expérience de zinzin de regarder un film d'horreur, mais d'avoir des bonhommes qui se baladent autour de toi. Ah bah allez de retour alors. Hey. En fait là, si elle allait devant, elle fait diversion. Et le clown, c'est qu'il l'attrape. Là, Sarah Salana. Là, c'est ça qui se passe. Je l'ai un peu annulé en vrai, on n'est pas obligé de me le compter lui. Attends, mais c'est qui que j'ai entendu crier là? T'as entendu quelqu'un crier toi? Mais j'ai entendu deux personnes crier carrément. Ah ouais, ah, c'est dans le film je crois, il y a eu deux screamers, c'est ouf. Gros, t'as prévu combien d'acteurs? Le bait de elle passe devant moi pour qu'il y en ait un derrière qui me saute dessus avec le screamer sur l'écran, c'est abusé. Y'a encore un truc? Oh non, en fait ils disparaissent trop les gars. Bah ouais, mais là t'as l'air con, je te vois ramper, bah ouais. Faut que tu t'assoies à côté de lui, tu l'assumes. Faut vraiment que tu fasses encore plus près. Voilà, exactement. Il va te regarder, il va faire des vannes, tu restes stone. Il faut voir les choses en face. Continuez à vivre. Oh bah t'es déjà très proche, hein. T'es déjà très proche, on se connaît pas tant que ça, donc je pense qu'on va pas aller plus loin. Je vais aller vite aux toilettes alors. Belle connerie avec moi. Depuis qu'on est ensemble, je t'encourage à suivre. Qu'est-ce que vous... Non mais Mickey. Ils sont bien pendus sur l'écran. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre comme expérience? Mais regardez le plan, pitié. Non mais c'est pas... Il faut couper là. Non mais putain, mais enlevez-moi cette merde, pitié. Vas-y, j'ai chaud là, vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Putain, pitié. Mastu, c'est toi? T'es Mastu? Non. Regarde ça. Non, moi, c'est rien à voir, moi, je m'appelle Mathieu. J'en peux plus, ça fait 8 fois, il me met des doigts dans le cul, les gars. Ça va? Oh, c'était un film intense. Mais vous êtes sur Pornhub et tout là, je reconnais l'interface. Je reconnais l'interface, c'est un bien grand mot en vrai de vrai, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'étais là, c'est ça. Ah ouais, pitié. Oh, putain, le rendez-vous que j'ai eu là. Ah ouais, t'as eu un rendez-vous maintenant là. Ça dit quoi alors, t'as regardé quoi? C'était un film d'horreur, mais il a commencé au milieu un peu. Et à la fin, il y avait une scène très intense. Il y avait une scène intense à la fin. Il y avait une scène vraiment intense à la fin. Ah, t'as crié ou pas toi? Peut-être une fois. En fait, il y avait genre la meuf qui était devant. Il y a eu un screamer là. Et en fait, il y a un gars qui a jump derrière. J'ai même pas vu. C'était le clown ou pas? Ouais, c'était le clown. Ah putain, j'avais même pas vu que c'était un clown du coup. Et c'était au même moment? Ouais. Oh, magnifique. Un cri est sorti et je l'ai contenu juste après. Mais en vrai, je pense qu'on peut le compter comme un cri. Hein. Ah, c'est un. Ok, je vois le coup du porno et des gens qui arrivent et qui font Mastu, c'était très drôle. C'était très drôle. Ça pour de vrai. Je savais que ça allait pas te faire crier, mais juste ça ouais, me rendait. C'était galerie de ouf. Ça me rendait heureux et de faire. C'est ça. La franchement, ouais. Mais c'était particulier. À un moment, c'était vraiment une terreur nocturne. C'est-à-dire il y avait un porno à l'écran, un clown à ma gauche et j'avais une nonne à ma droite. Quand vous avez mis le porno, ils étaient vraiment là et ils me regardaient comme ça. Bah vraiment, bon là c'était mon happening frérot. Hein. Bah tu m'as fait crier une fois. Le cri est pas sorti des tripes. Non, il est pas sorti des tripes mais il est mais quand il même sorti. Un petit bail. Ouais, il y a eu un petit bail. Moi j'ai pas de douche, je vais faire crier. C'est sûr. T'inquiète. Toi tu vas me faire crier de bonheur, crier de joie. Ouais c'est vrai, c'est bizarre. Mastu qui remet sa vie en question,
qui revit ce moment où il regarde ce film X en 8K. Je pense que t'es le mec qui a vu le plus beau film. Mais je pense que c'était du jamais vu. Hein. Avec des petits bobgans là. C'était mon seul réconfort, dis-toi. Ah, mais je comprends. Ah ouais, putain. Les gars, je crois que j'ai trouvé sur quel terrain aller pour le faire crier. Non, je pense que la peur, c'est le pire truc pour moi. Enfin, pas le pire truc, mais. Ou alors les trucs, comme on disait tout à l'heure, de soit l'élastique et tout. Je pense qu'il y a un monde où j'ai du mal à contenir les émotions. Ouais, c'est dur. Je sais pas à quel point on va crier. Et du coup, je me dis, est-ce que là, c'est une avance de zinzin que t'as pris ou est-ce que c'est rattrapable? Moi, je sais pas si vraiment je peux crier très facilement. Oh! Mais t'es trop. Pour l'instant, il y en a un qui a de l'avance. Mais je trouve qu'en fait, tu fais un peu trop le malin. Et qui fait le malin? Bah, Barry. Dans le ravin. Non, qui fait le malin rigole bien, mec. Je crois pas que ce soit ça l'expression. Tu veux vraiment cette guitare? Avec plaisir. Oh, attends, c'est même pas ma main. Oh, j'ai. Mais mec, pour l'instant, il y avait un petit bail, hein. Je suis gaucher, faudrait que je le fasse dans l'autre sens. En vrai, je m'en bats les couilles, mais ouais. T'as pas faim? Là, j'ai un peu faim. Est-ce que t'es plutôt dans un mood de diète? Je suis chaud de manger un truc un peu sain. Mais frérot, je suis sorti du Airbnb. J'ai fait genre de commander un truc sur Uber Eats. J'ai rien commandé du tout. Je veux juste lui niquer son mental parce qu'il a faim. C'est un peu bâtard, mais je lui ai préparé des fausses commandes Uber Eats. Je pense qu'il va se douter qu'il y a un truc chelou de ouf. J'ai un faux caca. Je l'ai fait tomber par terre, du coup il y a un petit peu de terre. Je vais le mettre dans le café. En fait, je veux juste lui foutre le seum. Et surtout, j'ai un spray. Sa mère, ça veut dire quand il va ouvrir son paquet, ça va schlinguer. Là, c'est vraiment, il va juste puer le seum de ouf. Oh, j'en mets sur mes mains, putain. Oh, l'odeur. Putain, il y a un sachet plus gros que l'autre. Je suis pas un monstre en discrétion, on va pas se mytho. Ah, t'es là? Tu m'attends dehors? Tu veux qu'on mange dehors? Attends, c'est... Guizguilla? Non, fais-moi confiance, on va se régaler. Tiens, frérot, ton sachet. Mec, ouvre-moi ça. C'est quoi? Mais il y a vraiment une merde dedans. C'est tout humide et tout, mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Mais frère, c'est le livreur, il a fait de la merde, frère. Putain, le livreur, il est relou. Putain, mais j'ai trop le seum. De base, il devait puer. Bah, franchement, ça sent pas bon. Hein. J'avais ce spray-là. Pas ça. Mais gros. Mais t'es un bâtard! Non, vas-y, t'as plus de... Mec, je savais que ça allait pas te faire crier, mais je voulais juste te casser les couilles. Ça pue là-dedans. Je veux juste te tuer. Oh, carrément, il y a une mouche qui s'est posée sur ta tête. Tu sais qu'il y a vraiment des mouches qui tournent autour de toi. Hein. Bon, en vrai, si tu veux vraiment manger, faut qu'on commande. Trop tard. J'avoue, j'ai troll. Trop tard. Oula, tu vas me monter en l'air ou quoi? Tu viens avec moi. Attends, il y a un truc? Ouais, il y a un truc. Non. C'est... Oh, ouais. Le bâtard. Attends, il faut que j'aille me préparer. Non, il y a rien à préparer. Bon les gars, le prochain happening c'est le mien. Et pour une fois, j'ai envie que sur sa propre chaîne, Michou soit complètement largué. Donc j'ai mis en place un prank. Mais pour être sûr qu'il soit réalisé à la perfection, j'ai demandé un peu d'aide à sa prod. Vous allez voir. Donc c'est à mon tour? Bah écoute, à mon tour de cuisiner, ouais. Tu n'auras aucun indice, Mich. Est-ce qu'on va faire un... Mec, attends, mais j'avoue. Et ça m'est dans... Ah mais il dort? J'avais même pas capté. Comment tu fais pour pas rigoler? On a combien de temps de route? Oh non, je vais toujours tout droit, j'aime il a cette dit. Réponse, non mais c'est bien. Trop. Par contre, Mastu là, je commence à savoir exactement où on va. En face de nous, il y a le château de Disneyland. Si c'est Disneyland, c'est génial. Ouais. Putain, mais c'est ici que j'ai fait tous mes plus beaux dates. C'est vraiment une journée date, hein. C'est vrai que cinéma, Disney... Ah, tu viens d'avouer là. Non, enfin... Tu viens d'avouer là. Ok, et ben on va à Disneyland. Ok, donc on va vraiment se garer, on va vraiment Disney. Mais Valentin, tu t'es trompé de route? Mais on est rentré dans le parking, on vient de ressortir. Parking en fait. Ah, il s'est trompé de parking. C'est pas à Disneyland qu'on va du coup? Moi je ne dis rien. Mais putain, je comprends plus rien. Finalement, on va pas ici. Mais putain, mais Valentin, mais j'en peux plus. Il est là, il me fait des baits maintenant. J'ai bien aimé. Non, mais il s'est trop pris au jeu. J'ai trop kiffé. Il s'est garé, puis il a dit non, mais finalement. Moi, j'ai bien kiffé. On est allé à Disney. Juste pour te bait. Je vais péter un plomb. Regardez, même eux, ils savent pas où on va. Ils sont en mode, mais quel bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Mec, ça me terrifie, mais. Plus ça va, plus l'endroit oui. Est étroit. Tu m'envoies dans un bourbier là, c'est un guet-apens. Il y a 5 mecs cagoulés qui vont m'attendre et qui vont me niquer. Oh, Mastu, je viens de recevoir un message important. Je vais
j'ai vu, mais c'est juste qu'on est déjà très proche là. Nouveau score de décibels, 80 décibels maximum. Je sais pas si tu te rends compte, mais regarde juste de base là le niveau. Ce truc, j'ai l'impression qu'il est truqué, il est ultra sensible. C'est vrai qu'il a l'air sensible. Je vais le mettre un peu plus loin. Mais par contre, c'est trop bâtard. On vient de passer à 80 pile. Moi, quand, ça m'arrange. Quand on va faire le truc, je suis dans ça la merde. C'est top, c'est pile poil. Le timing, il est dur, frérot. Je disais, le timing, il est horrible pour moi. Attends, mais dis pas qu'on est arrivé là. Ah, ok. Les gars, on a fait une petite pause. En fait, il y a beaucoup de routes. Du coup, on va se prendre un petit truc à manger. On est dans un autre pays là, vraiment. Je sais pas où tu m'emmènes. Carrément, c'est proche de là où j'habitais, mais à l'époque, quand j'ai commencé sur YouTube, ça m'a choqué quand j'ai vu. Il m'a emmené chez sa daronne. Mais ouais, attends, je te ramène chez ma daronne en fait. Viens, on fait un jeu. On va dans un rayon de gâteaux. Tu choisis mes gâteaux, je choisis les tiens. On essaie de prendre un truc vraiment atypique et on goûte. Genre un truc comme ça là. C'est vrai que. Oh putain. Fourré à la figue. Il y a un monde où c'est bon, moi j'aime bien la figue. Mais viens, on prend quand même des trucs bons en. Il regrette déjà le concept. Ouais. Pour le chameau X fourré à l'orange. Oh bah c'est imparfait. Non, non, t'es en bas. Non mais c'est horrible. Ça a l'air dégueulasse. Mais regarde, une pause gourmande et fruitée. Oh bah là, comme tu vois. Ça. C'est parfait. Et tu vois, on peut se prendre un petit truc comme ça, c'est sympa. Ouais, je crois aussi. Y'a quoi? Bon, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on arrive bientôt à destination. Mais pour que le happening ait lieu, le cadreur de Michou doit absolument aller placer les caméras sur place. Donc pour être sûr que Michou ne se doute de rien, on a dû inventer un mytho. On a fait croire à Michou que son cadreur avait dû partir en urgence et que du coup il nous avait totalement planté sur le tournage. Ah ouais d'accord, il nous a lâché d'un coup. Ouais, franchement. Oh, attends, mais tu sais que c'est lui qui fait l'install des caméras Bah ouais, donc il m'a dit qu'il en joignait à 23h. À 23. Ah ouais. Et puis là, ouais, du coup, on est grave en retard aussi, donc on va bombarder. Écoute, on goûte nos biscuits. Ouais, vas-y. C'est parti, c'est l'instant dégustation. Oh, y a rien qui donne envie. Ouais, y a rien. Mais je sais que je préfère c'est vraiment non. Les miens, les tiens, ils me donnent vraiment envie de vomir. Ok, c'est parti. Ouais, non, mais déjà, non, déjà le gâteau. Pour de vrai. Mmh. Wow. À ce moment-là. Non, j'aime pas du tout. Pâteux en bouche et tout, il y a un truc un peu écœurant. La texture est pas mal. Ah oui, tu trouves? Alors, je trouve que ça se mange. Le goût est dégueu. Ouais. Mais la texture est pas mal. Mais le meilleur arrive. Mais oui, les amis. Oh, tu vas te régaler, toi. Tu vas te régaler. On dirait des petites brioches. J'ai un problème moteur là. J'ai un voyant moteur. Donc, je vais devoir m'arrêter. Je regarde sous le capot. Tombeil. Bah. Pour empirer la situation, on a aussi demandé au chauffeur de faire croire qu'il y avait un gros souci avec son van et qu'on était dans l'obligation de s'arrêter. Tellement c'était critique. On a une fuite? Mec, c'est quoi la proba que. Oh non, Jonathan. Non, il s'appelle toujours pas Jonathan. Il s'appelle Valentin. Adrien Valentin. Arrête. Alors, du coup, les chiens. Non, mais vraiment, les gars, regardez où on est arrêté, pitié, genre. Non, mais c'est. Mais où on est là? En vrai, il y a des mobilhommes à tout moment, on finit dans un camping. J'ai goûté le Chamonix. Alors. Il est pas. Attends, c'est possible ça, okay. Non, oh, c'est pas bon en plus. Non, bah ça a l'air bien dégueu, regarde la texture, la couleur, tout. C'est la pire dégustation de ta vie, mais qu'on est vraiment arrêté, ça parle de dépanneuse et tout. Bah. Je crois qu'on va annuler tout mon happening. Ah ouais. Étonnamment, c'est meilleur que la figue. Ah ouais? Ah j'y crois. Good. Pas une seconde. Non, non, enfin, je te crois de fou en vrai. Ah donc c'est bon, pas besoin de goûter. Non, pas besoin de goûter. Bon, okay. On a un peu le même avis et tout sur le truc aux figues. Franchement, étonnamment, là par rapport à la figue. Oui, c'est quoi ça? Sors vite, sors vite, sors vite, sors vite. Ouais, une voiture. Sors, vite. Vite, dépêche-toi. Il se passe quoi? Hop, tiens. Hop, allez, pars. Ouais, quoi? T'es en panne. Non, c'était un troll. Non, Mastu, t'étais au courant? Mais non! Oh, l'acteur! Mais les gars, vous m'avez trop baisé! Allez! Oh, vous êtes des acteurs! Il a crié, c'est vrai, t'as crié? C'est quoi ton prénom? C'est pas Jonathan, attends, toi? Moi, c'est Kalash! Là, je suis vraiment choqué, j'ai oublié la vidéo là, je suis juste choqué. Oh, l'enfer! Ça va? On allait faire tes gogoles. Ouais. Alors, on y va alors. Il est foutu. Il est complètement foutu, le frérot. Je ne sais pas.
pas le permis. Ah bon? C'est rassurant alors. Oh, il devait être déboussolé, il était en train de faire une dégustation de gâteaux dégueu, on lui dit, on tombe en panne. T'as été trop fort Valentin, vous avez été trop fort hein. Il était déboussolé, il essayait de rester concentré sur le tournage, mais il était dégoûté intérieurement, il se disait, putain il m'emmène je sais pas où. J'espère qu'il est en train de hurler. Il était avec ses pauvres gâteaux et tout, il essayait, il disait « Ah non mais ça va, c'est moins bon, oh ça va, c'est meilleur !» On s'en fout, Mich. On s'en fout. Oh là là, un plan tout de suite sur lui, s'il vous plaît. Au moins qu'il y ait de la détresse dans son regard, j'ai envie de voir. Détente, chill, apaisé. Ça y est, stop, faut lâcher là. Wow. Oh, j'ai trop peur. C'était bon ça ou pas? Avant que même toi t'as eu peur. Non, je suis si ça passe, mais ça va passer au poil. J'ai peur qu'à la fin il y a un crash. J'ai vraiment peur de ça. C'est horrible de faire subir ça à ses potes. Qui a fait ça en vrai? Oh, ouais, mec, y a pas le permis, ça va? Ah bah. J'ai plus les mots. C'est bon, on est sauts. Oh, on est aspects. Tu sais que j'avais peur pour ma vie pour de vrai. Sérieux? C'est tellement flippant. Bah écoute, mais ça fait je prends du temps à revenir à la réalité. Mais pour de vrai, y a un truc où j'étais dans un film. Ah mais il a envie de vomir. Ok. Il m'avait dit ouais, petite vidéo tranquille, petite vidéo chill. Non merci, merci infiniment. Ah ça fait plaisir. Non pour de vrai c'est le genre de truc qui reste gravé. Mec à regarder c'était hyper impressionnant. À un moment vous êtes passé à ça de la voiture de police, c'était une dinguerie. Là à l'instant. Ouais alors c'est vrai. Mec écoute moi je me suis chié dessus. Et je dis mais même toi t'as eu peur à vous. Il dit en vrai je me suis dit ça va passer mais au poil. J'ai crié de zinzin. Alors en vrai j'arrivais à me contenir. Ouais. Mais il y avait des petits moments où un peu comme toi au cinéma. Où t'échappais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un peu kiffé parce que je me dis tu t'es complètement déboussolé dans ta tête. C'était perdu au milieu de nulle part. Dépanneuse, problème de voiture, t'es en train de goûter des biscuits de merde et d'un seul coup, pris de nulle part, bam, dépêche-toi, sors de la voiture, boum, t'es dedans et ça part. Écoute-moi, c'est terrifiant, mais franchement, bien ouais, je te fais un câlin carrément. Ah, je suis content. Je sais pas si à la caméra ça rend pareil parce que. T'as fait ça? Non, j'ai pas fait ça. What the fuck? Je suis choqué. Deux roues? Allez, à cut, deux roues, t'y vas et tu le fais. La zinzinerie. Oh, il a crié, je l'ai entendu aussi. Oh oui. Mais s'arrête pas, frère. J'adore. J'ai fait un peu de bruit là. Fasse gaffe. C'était génial. T'as entendu hurler sur le premier? Ouais non. Oh, c'était trop. Mec, c'était. En fait, c'est trop. Sache que j'ai oublié à ce moment-là que je devais pas crier. Ah premier mais tu m'étonnes. Non mais gros. Je regardais la rampe et j'étais en mode mais on va mourir. Ça se sent tellement que c'est hyper impressionnant. Enfin, genre, regarde quoi. T'étais là dedans mec. du côté haut quoi. Les gens peuvent croire que ça a l'air trop scripté et trop cramé. Moi tu sais que je te jure que j'ai rien cramé. Je pense qu'on était plutôt bon parce que même moi il y a pas eu un seul sourire et tout. Je faisais le regard. J'étais vraiment en mode ok là vraiment imagine t'es en galère de tournage comment tu réagis. J'étais juste tout timide et tout, ouais. Je parlais pas un peu, rien. Même oui. Je faisais un peu genre on me se cache la cam et tout. C'est là où je me dis vous m'avez vraiment niqué, c'est que j'ai même pas eu cette seconde de ils sont en train d'essayer de me ouais, niquer. Ouais. Mec c'est des malades hein. Ah je vous vois plus de la même manière maintenant. Nice Franck, GG la team. Putain les bâtards. Ouais. Retour au bercail. Claqué. Pardon. T'as vu, j'ai mis une petite ambiance. Putain, mais c'est vrai que l'ambiance lumineuse, là, elle est pas mal, hein. Tu veux qu'on fasse quoi ce soir? Dans notre petit Airbnb de luxe. On peut inviter des potes?
Alors ça par contre c'est une bonne idée. On va lancer les invites et on voit qui vient les gars. On va inviter des potos ce soir. Mais par contre pour de vrai. C'est trop la créature. La ouais la créature, le mannequin bizarre quoi. La créature. Hey. Ouhou. Vas-y, je vais avec le fait. Oh non, non, j'ai pas les couilles. Oh yes. Mais c'est tellement pas mérité. C'est mérité de ouf, merci à toute ma famille de m'avoir fait. J'ose plus parler fort. T'es au courant que si on invite des potes, ça va être le bordel. Ouais, mais ça va être un bordel, monstre. Mais là, on est que deux. Et ouais. Je viens littéralement de te niquer. Mec, tu viens de me baiser. Attends, tu viens de me baiser un point encore. Hein. Et mec, ça, c'est un truc un peu lunaire. On a un chat. Mec, c'est trop un bon. Ce qui me ferait plaisir, et pour vraiment que ce soit immersif, et ce qu'il faudrait c'est que tu fasses, c'est qu'en gros, tu t'en bats les couilles, ce que je raconte. Ça fait un peu mal. Il y a des épines pour de vrai. Oh merde. Il y a des épines dans le doigt. Tu m'as mis plein d'épines, t'es mort. Oh merde. Non mais pas te faire foutre. Pas te faire foutre. En plus ça me tue le petit. Je sais pas qui. Mais gros, j'ai une boteux plantée dans un pot de terre, ça me rend fou. Aïe. J'en ai plein. Ouais, et je pense vraiment qu'on est finito et qu'il faut une pincée de pilée. Et en vrai dans le cul ça doit faire quelque chose. Ouais hein. Bah je peux te dire que oui. Ah ok. T'as tout enlevé ? Non, tu l'as dans les mains, ça marche, hein. C'est un ami anacouphène. Mais t'en as jeté combien? J'ai jeté tout le paquet. Mais vraiment c'est un par un, pourquoi t'as tout jeté? What the fuck? Tu sais que j'ai paniqué, j'avais tout le paquet dans les mains. Je vois que tu te tournes vers moi et j'étais comme ça dans les mains. Et je me suis dit, dès qu'il me regarde plus je jette. J'ai vraiment juste fait capté. Bah, J'ai juste vu que tu montais mais j'avais pas capté. Tu vas où là? En fait je suis trop con, frère je suis monté. Et du coup il s'est dit, attends pourquoi il monte? Qu'est-ce qu'il va chercher? J'ai été trop con les gars. T'es discret toi quand tu regardes dans ton set. De quoi? J'ai juré, il me terrifie. C'est une dinguerie comment il me terrifie. Rapproche-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais tu m'étonnes que tu veux dormir là. Mec, on est trop bien dedans. Par contre t'as l'air minuscule. On dirait que t'as 8 ans. Frérot, il va falloir que tu te manies un peu parce que t'as des points de retard par rapport à moi je crois. Ouais, j'ai un peu trop de points malheureusement. Oh là. Ce qui est bien c'est qu'on je te vois encore. Moi je te laisse. T'es pas discret. Non moi je vais regarder ce qu'il y a à la télé. Est-ce qu'il y a des bons trucs là ce soir à ce maté? Est-ce qu'on se fait à manger du coup? Enfin est-ce qu'on commande ou est-ce qu'on se fait à manger? Bon en vrai je pense qu'on peut commander hein. Vas-y. Tu mets la télé là? Bah j'aimerais bien mais je comprends rien, il y a qu'une télécommande. Vas-y. Et toi tu prépares, j'ai juré, toi tu prépares. Je prépare rien, je suis chill moi, c'est toi, je te sens tout bizarre en vrai. Twitch. Oh, t'as 45 ans. Attends, tu trouves, je vais aux toilettes. Oh, c'est à l'ancienne le. Pour saler les mains. Comment ça? C'est la poire là, tu sais le. Mais non, la poire jaune. Oui, la poire jaune. Tard l'époque. Oh le bâtard, il a résisté, je suis dégoûté. Oh sale chien. Ah je suis trop content, je me suis dit s'il vient c'est encore mieux que ce que je pensais. Oh bâtard. Putain t'as eu peur mais t'as tanké de zinzin. En fait j'ai juste sursauté. C'est pas le genre de truc qui me fait crier mais ça m'a... Moi j'essaye de prendre mes marques, de mettre un petit... T'es mal, le chat il a eu peur. Ah écoute, c'est pas de ma faute. Pas de faire foutre. Je ramène des potes, je ramène des renforts ce Vas-y, soir. Vas-y ramène des potes, ramène des renforts. Eh hey, ramène moi qui tu veux. Pour l'instant c'est qui gagne? Voilà. Ok, continue de faire le mec, y'a pas de problème. J'ai pas de répartie, ça me saoule. Ok, je propose un truc, Michou, un jeu pour que tu gagnes un point peut-être. On doit faire un cri chacun. Le plus proche de 80, il a gagné. Ok, attends, j'ai un truc de fou frérot. Mon plein. Magnifique. Pas sûr que ça te tente, mais j'ai un deal. Tu voulais qu'on fasse un jeu, mais du coup faut qu'il y ait des enjeux. Ouais. Donc celui qui perd. Oh, what the fuck. Il met sa langue. Ça doit tabasser, non? J'en ai aucune idée. Genre là, si je lève ça, je pense que ça fait... Ah mec, j'arrive pas du tout, là. Ah, il y a un invité. Ah ouais? Ouais. Ça va ou quoi?
ça va et toi? Ça va, mec, je suis en train de gagner. Qu'est-ce que c'est du coup? Là, en gros, le but c'est. Là, on est dans la maison, il y a un compteur de décibels et tout ça. On doit faire moins de 80 décibels en termes de bruit. Mais toi, tu peux crier autant que tu veux. Hein. Oh! Ça va? Ah, vous regardez un petit stream et tout? Ah, ouais, ok, pas plus de 80. Pas plus de 80. J'ai rentré, j'ai dit oh! Oh, ouais, fais gaffe, fais gaffe. En gros, c'est sympa de ouf. Non mec, c'est trop bien. Et là on essaie de faire marcher un piège à souris mais on n'y arrive pas quoi. Oh s'il te plaît, participe au jeu. Moi je peux crier dans tous les cas. Ah ok, ouais, c'est... mais participe au jeu quand même. Participe au jeu, j'avoue, participe au jeu, vas-y. Attends, attends, allez, explique le jeu, vas-y. En gros le jeu c'est si tu fais plus de 80 tu prends un point. Et le but c'est de se rapprocher le plus possible de 80. Le moins proche, il met sa langue dans la tapette à souris. Sa langue? Attends, what, sa langue? Ouais. Mais mec, vous êtes des tarés de ouf. Ok, venez d'abord, le premier qui perd il met son doigt. Et si on a les couilles après on met la langue le... La porte d'entrée indique que quelqu'un a sonné. Oh, ça va quoi, Jolo? Mec, je pense sincèrement qu'à chaque fois que je te verrai, je repenserai à ces aisselles. C'est un enfer, quel enfer! Mais c'est long là! Oh, ça me dégoûte! Je vais juste tester, genre de mettre la crème pour okay. Me rendre compte de la vie. Mais gros, je te jure que je mets pas ma langue là-dessus. Ta langue? Mais ouais, là c'est ouais, le truc. C'est que le corps long, celui il arrive hors contexte lui. Il y a une puce en moi qui a vraiment envie de mettre ma main tout de suite là. Bah vas-y. Non, non, attends, non. Juste s'il fait plus de 80, il le fait d'office du coup. Ouais. Toutes les personnes qui ont au-dessus de 80 le font. Ouais. Oh! 66. Wouah, ouais, il est trop bien! Putain, c'est non, à moi, c'est à moi! Oh! Trop bien, 66,6. Ok, faut que je fasse le même, faut que je fasse le même. Oh! Yes! Mais frère, pourquoi? Attends, oh, let's go. Mais j'ai juré que j'ai même pas fait fort. Tu te prends un point. Un point et tu te prends la tapette. Et tu prends la tapette. Là tu te barres, on peut penser aux trois affiliés. Allez, Timoud, sauve-moi s'il te plaît. Ah. Oh le bas. Oh, il est trop chaud. Oh, il est trop fort. Bon bah Zaf. 78,8. Zaf et Mich. Pourquoi lui il a rien fait? Bah si, j'ai fait 66. Plus 80, lui. En plus on va mettre la pression, moins je vais avoir les couilles donc. Vas-y, tu fonces. Un sans cul. Ça a l'air de faire super mal. Ah, mais les gars, mais en fait c'est sous-côté les tapettes à souris. Bah ça a pas tapé. Ça t'a tapé? Ah oui. Oh, oui mais... Wow, regarde, c'est un petit peu rouge. Mais j'ai en vrai t'es un maxeur de fou hein. Quoi? Il dit que t'es une chochotte en gros. Ok, j'ai pas de couilles moi. Envoie-le. Oui. Vas-y, mets ton zub. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mets ta queue, si t'es un bonhomme. Vous êtes bizarre les gars. Ouais, dans la vraie vie. Oh. What, t'as essayé de faire un piège là? C'est un il a essayé ce mec. Il a essayé de t'épingler le nombril ou je rêve? Les gars, j'en ai aussi hein. En fait, quand tu le jettes, je crois qu'il s'active tout seul dans les airs. Ça prépare des plans. Oh, c'était pas mal. Oh, j'ai pas les couilles. 3, ok. 2, 1. Oh, je l'ai pris. Vous avez fait un perfect. Attends, mais toi, tu t'es fait pincer? Non, je me suis pas fait pincer. Oh, wesh. Je vais rejoindre. Eh vas-y j'arrête, moi je lâche ça. Oh mais vous êtes vraiment là? Mais attends, le timing. Ça veut dire quoi mon frère? Oh, ça t'as pas le droit de crier? Pourquoi tu parles tout doucement? Parce que j'ai pas le droit de crier. Mais crie un peu. Ah, ah. Ça va mec? Ça va ou quoi okay. Mon pote? Pour l'instant je me fais un peu laver les gars. Et bah c'est simple, tu vas me mettre tout nu et on va te baiser. Ouais. Allez, retire le pantalon, allez. Si tu rigoles, ça compte pour un cri? C'est genre, est-ce que c'est... Non, c'est un vrai cri. C'est en mode... Ah ouais, c'est ça. Ah mais sauf qu'on a un compteur de décibels. Dès qu'on dépasse 80, on est mort. Voilà, donc si tu rigoles et que tu fais... comme ça, ça compte. Ça peut compter, ouais. Oh, oh. Comment ça va pas, les mecs? Il faut exprès parler fort, les gars. Mais venez, on retire tous notre pantalon pour de vrai. Quoi faire? Mais lui, il est terrifiant. Hein. Tu fais quoi? Oh, mais je suis tellement drôle. Qui a mangé? Personne a mangé. Non. Je pense que les escaliers ils tiennent ou pas? Non mais flambi. Wesh. Ça flanche, non. Mais vous mentez frère, je te jure. En haut il y a des filets, monte dessus. Mais t'inquiète, eh, au pire si tu le déchires, je le repaye le filet. Hein. Mais c'est pas le filet frère, c'est ma vie. C'est pas le... Je vais pas tomber de haut. C'est juste avant. Ah bah voilà. J'arrive pas à me relever. Mais je saute hein. Non. Arrête-toi. Mais attends, c'est quoi qu'un crack? Je crois que le proprio il nous a envoyé une alarme. Ah 122, ok. Oh, je l'ai baissé. Ok, tu sais quoi, vu que j'ai un peu d'avant, je me permets. Oh, le bâtard, il en est là. Oh, je mets un point pour ça. Ah, oh.
Il t'a battu. Par contre, j'ai gagné un point. Bah bien joué. J'ai un jeu à faire. En gros, vous voyez sur TikTok en ce moment là. Il y a des gens, ils s'amusent à identifier quelqu'un, à le mettre en grand et du coup, tu peux plus scroll. Ça prend toute la page mais tu vois pas l'identification. Du coup, toi au lieu de scroll, ça scroll pas. Et en gros, là le jeu c'est quoi? On va sur TikTok, on scroll et le premier qui tombe sur un truc où tu peux plus scroller, il se prend une tarte dans le dos. Ouais, moi je kiffe, hein. Mais c'est une tarte sévère. Ok. Je pense que c'était l'axe que je voulais aborder. Je pense que la douleur, c'est pour crier, c'est pas mal. Ok. Vas-y, essaye de swipe. Ok, tu peux swipe. Attends, m'as-tu? Ah ouais, ok. Oh les bâtards. Ok. Non, ça c'est bon, je peux swipe. C'est une roulette. Ok. Ah bah c'est flambé. Ça passe, ça va passer ça. Ok. Swipe au milieu, swipe au milieu. En vrai, je pense que j'ai capté. Ok. J'ai capté quel TikTok tu peux pas swipe. Ouf. Le TikTok où il y a un mec tout seul qui parle. Attends. Il y a l'identification. Ça, j'ai pas les couilles de te mettre une vraie tarte. Ah bon, moi je vais pas y aller. Pas y aller, hein. Eh, Massu, c'est le jeu, donc si j'envoie, j'envoie. Hein. Vas-y, envoie. Waouh. Non, mais c'est quoi ça? Vas-y. T'as été... Vas-y, montre-nous. T'as mis ma mère, j'ai raté. Okay. Essayez de dispatcher un peu. Oh le bâtard. Ça a éteint le décibel. Vas-y Timmy. Je vais pas faire au même endroit. Je donne des bonnes zones. Pour que ça chauffe. C'est là. On dirait la même patate. Ouais, on dirait la même patate. Zap, ça à toi. Ça va? Non, ça va, c'est là les deux. Ah, franchement, t'étais chill. Hein. Ah, bah, allez, va! Ils sont ensemble! Viens, on joue, les gars! Zafil, je sais dans quel camp t'es, c'est bien. Tu vas devoir swiper. Ah, c'est moi qui commence encore? Ouais. Ok. Oh, c'est mort. Ok, ça va. Wouhou! Et en vrai, c'est que les clips, ça peut. Hein. Yes! Let's go! C'est ah, c'est une pute, ça, bâtard. C'est une pute. Ah, attends, on va dire. Non, ça compte la pute. Ouais, ça passe. Ça passe large. Ça passe. Facile. Zaf. Ah, ça passe. Ça passe aussi. Planète rap. Aïe aïe. Quand ça c'est dur. Ah, c'est bon ça. Non. Ah, t'es baisé. Non. C'est sûr. Je pense que t'es foutu. Oh yes. Ceux-là, c'est les pires normalement. Ça, c'est bon, ça passe. Oh le gars. Oh la prise de tâche. Oh la dinguerie. Je t'ai pris un rappel percutant. Par contre, c'est une dinguerie que ça tombe et sur toi ouais, et sur moi. Ouais. Wow. Tu viens de la claque que tu m'as foutu après celle d'Ilan ou pas? Oh putain, mais les gars, moi j'ai pas le même dos que Massu. Hein. Qui commence? Vas-y, commence. Moi je commence. Oh, ça chauffe, c'est la première. La douleur elle est revenue jusqu'à mon torse. J'ai trop chaud. Chut. Il lui a déboîté l'épaule. Oh, il m'a lucé l'épaule. Frérot, il m'a déboîté l'épaule. Tiens-moi ça. Non, c'est trop, il faut le m'abattre. À la première, j'ai raté. La deuxième, on se loupe jamais. En fait, t'as pas avoir. Mais. C'est dur de pas crier. C'est bien, du haut comme ça. Mais... La douleur est tellement intense que t'as envie de sortir. Ça va. Ça m'a fouetté en fait. Il a un peu raté. Il m'a un peu fouetté. Il m'a un peu. Ouais, ça fait bruit de fouet en fait. Ouais. J'ai toujours été là pour toi. Hein. Il m'a mis un coup de savate. Il y a des traces de doigts, les gars, quand même là. Moi, non, mec, t'as ton bouton, frère. Attends, mec, t'es en 3D, frère. Mec. Oh, il y a une c'est qui a mis cette claque? Moi, gros là. Mais oui, gros. Attends. Oui, c'est la tienne. Je vais avoir une cicatrice là. Bon, bah, les gars, j'ai un petit coup de soleil là dans le dos. T'as pas, toi? Vite fait, mais ça va. Après, toi, Massu, il a bien tanké quand même. Moi, les gars, j'ai l'air un peu, mais ça va. Parce que t'as mis ton. T'as pas tapé, toi. T'as pas touché, ouais. Il y a 4 frites en fait, il y en a pas qu'une. Oh, je me régale. Oh, le trauma de malade. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop marrant quand t'es allongé. Regarde, on vient à la caméra. Ah, ça vibre un peu quand même. J'ai même eu le temps d'allumer la cam. Il a pas kiffé, je crois. Ça fait mal. En fait, l'ongle, c'est désagréable. Qui a les couilles de mettre la langue? La lampe, ah, c'est mort. Il n'y a pas un. Ok, sur ok. Compte, pour combien? Moi, je fais pas, frère. 300€. Bon, Zaf, y'a que toi qui veux le faire. Pour 300€, je le fais. Attends, parce que pour le contenu, je peux peut-être les sortir. Hein. 250, tu fais ou pas? 300. Ouais, j'ai pu pouvoir parler pendant 2 jours. Mais après, toute ta vie, tu zozotes. C'est qu'il y a un monde, hein.
Oh non, mais c'est un mec, il va jamais le faire. Zaf. Jamais. Mais quoi? T'as des couilles quand tu même. Tu penses à le faire crier? Poker face. Changement d'ambiance. Non. Mais impossible. Arrête. Zafil, pour 300 euros, tu mets la langue. Ça paraît hyper sexuel de faire contexte. Ouais. Et mais je pense que tu tires bien la langue, sinon ouais. Ça va bien. Ouais. Les gars, ne faites pas ça chez vous, c'est un professionnel qui le fait, d'accord? Pour de vrai, t'as les couilles de le faire? J'avoue, je transpire un peu. Il va le faire, il va le faire. Ça vient accrocher. Attends, mais t'as qu'à... Mais... Non, il tremble, le mec, il commence à pleurer, je te jure, il commence à pleurer. T'as mal ou pas? T'as mal ou pas? Parle, dis-nous quelque chose. En vrai, ça va. Je suis déçu, moi, ça m'a coûté 300 balles. 300 balles, c'est ça. Je le sens, mais là, j'ai l'impression que je me suis brûlé la langue, en fait. Mich, pour combien tu le mets à l'oreille, là, ici? Oh, la lobe d'o... le lobe d'oreille. Je pense que ça fait aussi mal que la langue. Je pense que ça fait plus mal que la langue. Un petit cartilage là dans l'oreille. Ouais, je suis d'accord. Ah, ouais, en vrai, je le fais sur l'oreille. Et toi, mais. Mais toi vous êtes pas curieux de la douleur? Pas tant que ça, tu vois. Je suis moins curieux que toi. Ouais. Bah, ça fait comme un piercing en fait. Oh, ouais, c'est il, ça. Il va s'agrafer l'oreille. Oh. Ouais, j'enlève-le, gros. Ah ouais, c'est pire, ça nique sa mère. Lui, c'est le pire. Sur l'oreille, c'est le pire. Update d'Odmich. Et voir un peu. Ah, wow, bizarre. Non mais vas-y, tu remontes mon t-shirt. Vas-y, soulève Zaf. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi derrière la main? Non, Mich, t'as quoi derrière la main? On fait le reveal du dos. Vous allez me niquer là. Mich, t'es stressé. Et pourquoi t'es heureux comme ça aussi de regarder mon dos? T'inquiète. Mais les gars, c'est une kidnapping là. C'est quoi? Bouge pas trop. Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges, Michou? C'est une bande épilatoire. Touche pas. Non, c'est pas une bande. Mais tu l'as mis à un endroit où vraiment il y a pas de poils. Mais t'as pas zéro poil. Où t'as des poils en vrai? Il aurait fallu le baisser le pantalon, on peut le refaire. Les enlève pas doucement. Parce qu'après tu vas avoir de la colle dans tout le dos, mec, c'est horrible. Mais frère, tu t'es plus souvent. Non. Ah putain, elle est mal collée, Michou. Frotte-le bien. Attends, je fais un plan pour là. Arrête. Non, c'est trop. C'est trop tard. Arrêtez. Toujours, c'est trop tard. Attends, mais ensuite, tu les as chauffés avant ou pas? Pourquoi j'y ai pas pensé au bandes? Mais j'ai juste le seum. Oh, t'as fait le pire truc à faire. J'ai toute la colle. Mais oui, c'est ça, je te le disais. Tu voulais qu'on soit dans une ambiance brosson un peu? Non, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, en haut. Pourquoi tu veux couper? Je coupe l'électricité. Je vais faire les travaux. Le poil est presque niqué là. Attends, tiens, prends mon flash. Enlève d'un coup, s'il te plaît, je t'en supplie. Attends, je sais plus comment on fait. C'est non, faut lever. Ah, c'est comme ça? T'es tellement dans la merde. Mais t'es tellement dans la merde. Mais il y a tout... Il y a toute la colle qui est restée. Non, t'es un bâtard, c'est la pire sensation. Attends, tu peux... Mais c'est... Non, mais là, faut que j'aille me laver. C'est horrible. Ouais, j'ai Scooby-Doo, les gars. Mais j'ai du butatif et l'éclairage. Arrête de me regarder avec tes yeux. Mais les gars, la vidéo, elle commence à être flippante, vraiment. Je peux juste voir un truc. Ah, les gars, vous êtes trop forts. Toi, tu lui baisses son pantalon. Ah, c'est une lumière de merde. Je vais enlever d'un coup. Ah, elle colle pas. Non, mais c'est bon. Si, bah, avec ça. Je suis dépité là. Ah, oh yes. Allez, d'un coup. Ah, ça va. Et là, t'as pas de. Ça va, mais attends, j'enlève le deuxième parce que je suis un bon. Non, mais j'en ai plus. J'enlève le deuxième parce que je suis un bon. J'en ai encore un. Ouais. Mais frère, vous en avez mis combien? Attends, non, mais je suis en train de l'enlever, frère. Enlève-le. Il y a zéro poil. Vous savez. Tous ici présents, tous essayer de me niquer. Non. J'ai tous retourné contre pas moi. Pas du tout. Ah, le fort. Je ne peux pas m'énerver. Le fort de Fort Boyard m'a eu. Mais vous êtes fous là. J'ai envie d'aller faire un urbex. J'ai vraiment envie d'aller faire un urbex. Moi j'ai ma bagnole. Venez, on va faire un urbex. Attends, parce que dans mes poches j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, je lui ai pas ça dans ta poche. Quand il met ses mains dans ses poches, il y a des boulis, ça n'existe pas normalement. Regarde, mets tes mains dans tes poches. Il a un stuff, un inventaire entier Minecraft. Mais attends. Recherche sur Google Maps en mode ça va. Mec, tu trouveras jamais. Il a marqué urbex sur Google Maps. Tellement jamais. Mais il te rend sexuel un peu le canapé. Ouais. T'as eu peur. Ok, à moi. T'es prêt? Sans hommes. Ok, vas-y, c'est à mon tour. Tu veux juste mourir là? Moi je suis trop chaud d'aller dans une forêt là. Eh venez, on va dans une forêt, on se branle tous, personne.
Non, par contre, venez, on arrête d'être trop limite. Moi, je suis d'accord. Non, surtout, la vidéo n'a plus de contexte. Oh, wesh. Frérot, regarde ce que j'en fais de moi. Bah quoi, frère? Mais gros, arrête d'interviewer les gens. Mais c'est le gars, il est en micro trop tôt. Ouais, c'est ça, on dirait un gars en micro trop tôt, il veut pas lâcher l'affaire. 3h20 du matin. On dirait le début d'un film d'horreur. Et j'ai l'impression que ça... Si dans une forêt, tu sais pas pourquoi. Ouais, grave. Mais... Et dans les films d'horreur, c'est qui meurt en premier? Massu, 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 Massu. C'est quoi? C'était un grêlon? Il y avait un grêlon. Et moi j'ai un kink, c'est de faire caca dans un van. En vrai, pour combien, monsieur? Dans le van? Oui. 1000? 1000 euros. 1000 euros, je peux vous le laisser quand même. Non! Le van pour 1000 euros? Ouais, le van pour 1000 euros, ça va. Ok, je sais pas, on est en ambiance clip un peu là. Ouais! BZ22 la moumouta, les 22 skis. Toi aussi, t'as célébré les mastu tout à l'heure. Allez hop, un point chacun. C'est vrai que j'étais là, bah ouais. Massu. Ah mais j'avais oublié, il y avait un concept. Oui, mais moi j'avais zappé. Mais en fait ça fait 4 heures on parle comme si de rien n'était. Donc évidemment on a oublié. Attends, on arrive dans 5 minutes là déjà. Hein? 5 minutes? Putain. C'est mieux dans le van. Eh les gars, vous êtes pas chaud? On reste dans le van. Session 24 heures dans le van là, on enchaîne. Oh. Les gars, c'est où l'entrée? Mais mec, Trumdug, les sirènes. Trumdug, les sirènes qu'il y a derrière au fond, ça me fait flipper. Les gars, j'ai un peu peur moi. Attends, mais pourquoi vous voulez qu'on aille au portail en vrai? C'est une propriété le portail, non? Ah, je pense pas, hein. Alors, il y a moyen, c'est un truc de randonnée en vrai, ou de marche. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, les gars, c'est pas intéressant là-bas. Ouais, c'est pas intéressant ici. C'est pas intéressant du tout. Vous voulez qu'on aille dans la vraie? Ouais. Ouais. Putain, ma paire, elle est quasi neuve, frère. Ouais, moi aussi. Bah, super, les gars. Faites gaffe de pas glisser juste. Aidez-moi, les gars, je suis gros, s'il vous plaît. On sait, il y a déjà eu des gens qui se faisaient tuer ici. Mais c'est quoi cette... Mais toi, t'as des questions de... Non, mais gros, depuis la création de cette forêt, peut-être qu'il y a forcément eu un meurtre ici. Mais en vrai, en ce moment, je suis dans une méta TikTok où ça parle de des Skywalkers. Skinwalkers, ouais. C'est ça. C'est genre des... Skylanders. Non, des Skinwalkers, c'est en gros, c'est des genre des chiens ou des chats. En gros, c'est des djinns qui sont dans des corps de chiens ou chats. Ils veulent juste te tuer. Par exemple, je sais pas, tu laisses ton chien tout seul dans la maison. À un moment, tu rentres et genre ton chien, il est comme ça, il est debout. Et tu sais, en gros, ça fait flipper. Franchement, Skinwalker. Là, t'es un Skinwalker là. Ouais, y a un gars qui s'est arrêté par contre. Non, venez en taille, non? Ah les gars, j'ai un masque de chien à tout, moi je vais vraiment prendre une bastos. T'as la lumière sur toi, donc il voit très bien. Non, mais... Moi je vois pas le mec. Si, il y a deux phares d'une voiture. Frérot, ils sont en train de baiser dans la voiture. Mec, il pourrait déduire tellement le temps. Arrête, frère. Quoi? Ah, il s'en va. Eh, par contre, le truc que tu viens de raconter, plus le van, tu sais que le timing, il fait flipper. Celui qui... Encore plus lent la course. Ah, c'est le chien le plus lent du monde. J'ai jamais vu un chien aussi lent. C'est un skinwalker. Mais attends, il est parti où? Attends, il se barre vraiment. Regardez le gars. Mais vous en avez rien à foutre de notre pote Flamby? Mais c'est plus notre pote, c'est devenu un Skylanders, gros. C'est vrai qu'il nous a trahi. Mais pourtant que je suis allé au Flamby. Non, mais il se fout de ma gueule. C'est un Skylanders. Non, il se fout de ma gueule. Il croit qu'il est bien caché là. Ah, une course! Oh non, on est non, je vais vous protéger, vous inquiétez pas! Viens là! Viens là! Mais attends, mais les gars, Massu est en train de briller! Hein. Attends, il y a un event là! Il y a un event! Mec, son masque est terrifiant, la tête de Wham! What? Les gars, son masque est terrifiant! Mais son masque est terrifiant! Moi, la tête de Owen. Ça compture. Viens. Il t'a lancé quoi? Oh les bâtards. Vas-y. Elle sort les couilles. Ah non, quand même pas. En vrai, moi Sors les couilles, je les brûle en vrai. Et ça sort d'où les pétards et le masque? Je sais pas. Non mais attends, mais surtout, les pétards ils sont arrivés. Oh fils de pute. Zappi, il m'a même pas vu. Faut lui faire des shows, faut lui faire des spectacles. Okay. Je crois que ça marche pas. Si, ça marche. Attends. Tu veux finir sur Snap? Arrête. Wesh. Mec, c'est le plus long que j'ai vu de ma vie.
c'est réel. Montre-lui qui t'es, d'accord? Oh. Putain, mec, t'as pris du temps à pisser. Mec, t'as raté, on s'est pas attaqué. Faut en vrai. Ah, les gars, on avance, hein. Ah, les gars, avance. Je peux mettre le masque. Mais non, frérot, je vais pas le dire. Oh, mais ça pue. À l'intérieur du masque. Faites faire enculer, frère. Non, par contre, vraiment, je mets plus le masque. Il pue trop. Vraiment? Non, vraiment. Tiens, mets-le. Oh, vous étiez pas clair. Mais c'est vraiment atroce. Mais vous mentez, frère. Oh, arrêtez de mentir un peu. Non, non, c'est vraiment atroce. Mec, par contre, là, on rentre vraiment dans le vrai jeu. Mais là, on arrive bientôt chez Flamby, je crois. Là on est dans une plaine là. Oh le bat. Wesh. Wesh là, il m'a fait bader. Laisse-moi, je vais lui en V1. Vas-y, vas-y, en V1. Laisse-moi, tiens. Vas-y, où snap, où snap. Vas-y, viens. Ah. Vas-y, en V1, fight, let's go. Le premier au sol, en vrai de vrai. En vrai. Oh, il a des gains qui prend. Attends, bah. Wesh, moi j'ai rien fait, c'est pas moi le combat. Ah, ouais. Voilà, voilà. Allez le skinwalker. Wesh. Allez le skinwalker. Fais allez, le merco, le merco. Allez le merco. Voilà. Wesh, il lui fait bouffer ses couilles. Voilà. Voilà. Ouais. Représente tous les clowns du 9-3. Ouais. Eh, baisse le clown et tu redeviens notre pote. Non, 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 non. En plus, c'est au zizi, il sort, fais attention. T'agis comme un Playmobil là, Michou. Allez. Oh, 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 wesh. Oh. Oh, oh, le gros, oh. Il se laisse pas aller, ma gueule. Wow, ma le gueule. Il se laisse pas aller. C'est le chien qui fait le moins peur de... Mais frère, il est parti. J'allais le monter en l'air, là. Ça a fait, t'as baisé le combat, frère. Gros, tu peux rester là vite fait, 2 secondes. Je crois que... Le clown en question, je crois que c'est Michou. Il s'est tapé contre lui-même. Ah, pas. Je pense que... Les gars, qu'il fait quoi, là? Dédoublement skinwalker. Oh, wesh. C'est quoi? Mais non. Wesh! T'as un baiser ou quoi, frère? Mais les gars, c'est 100% de schizophrène ou quoi? Mais c'est 100% de vous! Mais quoi? Mais t'es un... Arrête, comment tu parles? Mais les gars, quand il était là, il y en a un qui était jamais là, c'était lui. Mais t'es fou! Mais il était là, il était là, tu l'as pas vu! Mais gros, replay si tu veux! Souvenez-vous! Vas-y! Allez! Allez! Vas-y! Mets-lui sa dose! Mets-lui sa dose! Mais moi surtout, je pense aux gens qui passent un peu pour voir un peu ce qui se passe. Ne pas crier, ils se retrouvent là, on est 6 à gueuler comme des poules. Le mec, il va démarrer la vidéo, il va juste cliquer au milieu et voir. Vas-y, Michou! Vas-y, moi, Michou! Hey, les gars, tout seul, je le dis, je pense que c'est à cause de Massu. À chaque fois qu'il est dans une vidéo, j'ai l'impression que dernièrement, c'est que des terreurs nocturnes, tous mes feats avec Billy et tout. Là, maintenant, il se passe ça, je sais pas pourquoi. Je suis pas à l'origine du truc, hein. Mais c'est bien, un peu, ça change. Il est 4h. Ah, ça va, il est pas tard. On fait un P à 80. Je peux pas, là, je vais me chier dessus, je pense. Juste, on voit le nombre de décibels qu'un P peut faire. J'essaie de chercher un truc, là. Oh, oui, tu l'as. Oh, l'ulti. T'as pété? Je me chier dessus. Non, mais y'a rien eu. L'ulti, il était trop fort. Y'a rien eu, là. Bon, les gars, venez, on y va tous. On n'aura jamais la réponse pour le P. Faut avoir. Bah, frère, quand la journée n'est pas terminée. On aura envie, bah ouais. La journée n'est pas terminée. Oh. Gros, tu peux par la bite. Attends, tu crois qu'on voit pas? Faut qu'on voit les choses. Si je te mets dans le cul là. Zombie. Zombie. Tapé. Non. Qu'est-ce que tu fais? Wesh. Oh, l'odeur. J'envoie le caca sur qui? J'envoie le caca sur qui? Oh, le flop. On rentre. On rentre. Massu, t'es pas un mec qui a un planning chargé et tout? De base, tu fais des trucs. Bah, mais c'est. Je suis là. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, mec. C'est quoi ton problème? Tu veux te battre? Allez! Allez! Oh. Wesh, on a les étoiles. Bonsoir. 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 On fait plus jamais ce qu'on a fait dans la forêt. Ah. Personne n'a dit au revoir au Uber, les gars. C'est moi, je vais dire. Moi, j'ai dit. Bon. It's back for you. Faut pas crier, les frères. On est éteint là, ça se voit. Ouais, là. En fait, ça se voit, l'euphorie a l'air descendue d'un coup. Mec, j'ai un happening là, mais. Non, mais faut arrêter là. C'est que j'ai même pas envie de te le mettre parce que franchement, c'est. Oh, c'est le pire truc là. Mais toi, t'as trop une longueur d'avance. Vas-y, mets-toi là-bas et je leur en parle. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Bailen, il a dit fais-le. Ouais, mais moi j'ai dit fais-le direct, bam. T'es un bâtard, c'est quoi encore? Tous mes happenings qui sont tombés à l'eau au dernier moment, je suis dégoûté. Ah ouais? Je peux pas te le dire. C'est pas grave. T'as déjà perdu dans tous les cas. Ouais, j'ai peut-être déjà perdu. Les frérots,
Il y a tout le monde qui est en train de rentrer tranquillement. Il est 5h du matin passé. Nous, on va aller se coucher. Je pense qu'on va se réveiller vers 9h, 10h du matin demain. On va se reposer peut-être 4h. Sauf que j'ai pas envie que Mastu il dorme comme il veut, frère. Honnêtement, moi, je l'ai sous-estimé. En fait, je voulais que la vidéo ce soit vraiment en mode chill. On est ensemble dans le Airbnb. Chacun a prévu des petits trucs à droite, à gauche. Mais lui, il a vraiment été chaud de fou. Michou, on y va, nous. Vous partez? Je parle un peu fort là. Non mais ça va. Les frérots, bonne soirée. Zoubi. Dors bien, je sens que tu vas très bien dormir. On va en profiter, Mastu, tu vas bien dormir. Ouais. Bonne nuit les gars, dormez bien. Cette nuit, t'imagines même pas, les gars. Mec, on a fait n'importe quoi ce soir. Le concept, il est parti en couille de fou furieux. Là, brossage des dents et au dodo les frères. Bon, bah, si tu crois qu'on va bien dormir, je vais pas le laisser dormir ce soir. Putain, frérot, ma trousse de toilette, elle est énorme. Hein. Ah ouais, y a v'là les trucs dedans. Oh, mais mon bras, j'avais pas vu. C'est dégueulasse, on dirait j'ai un tatouage. Les gars, dites-vous, ça, c'est toute la colle de la cire qui est restée sur mon bras. Tu veux dormir dans le filet? Vas-y, je crois que je vais aller dans le filet. Hein. Vas-y, bah, moi, je vais me mettre pour dodo. Hein. Chiche. Mec, en vrai, je suis bien. Oh. Vas-y, mec, hein. Gros, bonne nuit, hein. Ouais, bonne nuit, vas-y. Par contre, Mastu, normalement, depuis 1h du matin, on devrait être à 70 décibels. Viens, on va partir de maintenant, on fait à 70 décibels. Bah, je suis chaud. Tu sais que là, on parle, on est à 61. Ah ouais, putain, c'est chaud. Dans 70 décibels, demain, faut se préparer à vraiment parler, quoi. Ouais, on va être en ASMR, vraiment. On va essayer de pas ronfler trop fort. Allez, bonne nuit. J'ai pas pu vérifier, mais je pense que t'as fait plus de 70 décibels. Mais tu me parles comme si de rien n'était, mais dorme, mais mon vieux, faut... C'est trop grave. Tu commences à t'endormir? Mec, écoute-moi, j'étais dans le pont. Je peux te dire que le son, j'ai l'impression qu'il venait de ma tête. Mais oh, ah, bâtard. Je suis assez content, là. Mais c'est... Frère, dors, toi. Non, mais oui, je vais dormir, en vrai. Ah, le chien. T'es un harceleur. Je chauffe. Voilà, t'as trop le seum, frère. Tranquille. Y'a aucun problème. Dis-le un peu plus fort. Y'a aucun problème. Ouf, t'étais à 67, hein. Putain, vas-y, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, ouais. Putain, c'est trop. C'est le seul endroit un peu clos où je peux vous parler sans faire trop de bruit, sans potentiellement réveiller Mastu. J'ai préparé un truc sur cette nuit. Je pense que c'est le pire réveil que tu peux avoir. Genre vraiment, il va se chier dessus. J'ai des pétards, une mitraillette de pétards qui dort à l'étage sur le filet. Je vais monter à l'étage tout doucement sur le palier de l'étage. J'allume une mèche et ils vont tous péter, frère. Je pense que ça va faire un boucan. Ça va forcément le surprendre de fou. Je sais pas si ça va le faire crier. Depuis qu'il a mis la musique, j'ai fait exprès, je me suis pas endormi, je suis resté réveillé. Je regardais un petit peu, je mettais des petits coups d'œil. Et ça fait vraiment plusieurs minutes qu'il a arrêté de bouger.
choqué. C'était quoi? T'as pris quoi? T'as pris du bison 4? Mais qu'est-ce que tu viens de faire, mec? Oh la singerie! Gros, je tremble. Comment ça pue, sa mère? Gros, je ça tremble. C'est l'explosion, les gars. T'as pas crié, frère? Ah non, j'ai juste eu super peur. Ça m'a fait paniquer. Mais gros, je suis désolé. What the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer, mec? T'as ton tel? Ouais. Attends, en vrai, je vais mettre le flash. Tiens. Ah. Putain, je suis dégueulasse. C'est quoi? Je savais que t'allais monter, en fait, je dormais pas, je t'ai entendu aller aux chiottes. Mytho. Oh, je vais câbler. Mais tu sais que j'ai trop la haine. En fait, t'as tout le temps une longueur d'avance sur moi, ça me rend. Et du coup, je me suis dit, ok, à mon avis, tu vas monter, mais je savais pas ce que tu préparais. Et je me suis dit, quand t'arrives au niveau des escaliers, juste avant que tu fasses ton truc, j'active la réunion, tu vois. Sauf que tu m'as vraiment surpris. En fait, j'ai entendu un coup de briquet, et là, juste après, des explosions. J'ai vraiment eu peur, premier degré, parce que ça pétait sa mère super fort. Mais tu sais que je suis choqué, t'es vraiment chaud. Eh ouais. Tout à l'heure, je suis allé chercher des pétards. Ouais. Je disais, ouais, Mastu, il pense que là, on va bien dormir, mais. Il sait pas ce que j'ai préparé et tout. Et en fait, tu savais très bien que j'allais venir à un moment ou l'autre. Ouais. Tu voyais mettre des coups d'œil. Arrête, mytho. J'étais comme ça, et en gros, je poussais les yeux et je te voyais pile poil dans l'œil. Non, t'es trop fort. Vas-y, gros, vrai, bonne nuit. À chaque fois que je fais des vidéos comme ça, un peu 1v1, ouais. Je sous-estime trop mon adversaire. C'est la première fois que je fais ça, c'est bien kiffant. Tu m'étonnes, frère, t'as la meilleure place. J'en ai marre d'être ta petite pute. Ah, j'ai des petits trucs de pétard sous les pieds. Allez, bonne nuit. Frérot, t'as pas envie de crier un petit coup là? Non. Je serais mieux. Putain, il fait que ses couilles. Et t'as de la chance, tu sais que t'as de la chance de ouf. Quoi? À la base, putain, j'ai trop le seum. Je voulais pas dormir. Ah, tu voulais pas t'endormir après les pétards? Je voulais pas m'endormir, mec. Mais non, tu voulais faire quoi? Le truc que je disais à tout le monde, là, Ilan et tout hier. On avait mis des glaçons dans le congélateur, fallait que je te les foute dessus. Une bassine de glaçons. Oh, dans la nuit là? Ouais. Oh non, le réveil mais horrible. C'est pour ça que j'ai dormi. Oh non, je sais le pas réveil. Si je le fais en vrai, parce que déjà on dort pas beaucoup. Et moi, t'as pas, j'aurais pas kiffé. Alors vraiment, déjà j'aurais hurlé, c'est sûr. Mais en plus, j'aurais. En plus, ça veut dire tremper le canapé, tremper. Ça veut dire que tu passes une sale nuit, vraiment une nuit de merde. Putain, je suis dégoûté, mec. Je voulais pas m'endormir, j'ai pas réussi à tenir. Je pense que j'aurais été vraiment aigri. Mais après, c'est bien joué. C'est pas un bain de fou quoi, c'est juste que tu prends des glaçons. Et en plus, tu perds un point, je pense. Ouais. Alors que le petit pistolet. Frérot, je te propose qu'on descende direct et on se graille un petit bail. Vas-y, vas-y. Débrief de la nuit dans le filet. Trop bien, mec. C'est quoi ça? Ah, c'est des claques d'oie. C'est que pareil, je les avais prévus. Le paquet était juste ici. Je m'étais dit, j'attends qu'il s'endorme un peu et je lui lance des claques d'oie dans la nuit. Je me suis endormi. Oh, les claques d'oie dans la nuit, j'avoue que c'est. Franchement, ça m'a plu. C'est un peu terrible. Oh, oh bâtard. Oh, frérot, fallait hurler. Tellement pas. Oh, avoue, t'as eu le truc à l'intérieur du corps, oh, là. Oh, là, j'ai eu les frissons, j'ai tout eu, là. Oh, ouais, je m'attendais putain, tellement en fait, pas. Tu contiens trop, toi, tu cries pas, mais chier. Avoue, le mannequin, il est insane. Ah ouais, là, je m'y attendais vraiment pas. Heureusement, j'ai pas crié, parce que là, la défaite, elle aurait été totale. Attends, c'était prêt. Mec, tu te contiens bien. Frérot, je vais te dire une confidence. Le Airbnb, t'es arrivé, et t'as dit, oh, le mannequin et tout. Ouais. Je t'ai dit qu'il était là. Genre, dans l'annonce du Airbnb, le mannequin était là. Mais frérot, c'est nous qui on l'a rajouté depuis le début. Le mannequin, le mannequin, il est vraiment, il est préparé depuis le début en mode, j'ai dit, on met un mannequin dans la pièce et à un moment ça va se transformer en un mec ouais, et il pourra pas s'en rendre compte. C'est bien joué. Mec, c'est abusé. Oh
à vérifier. Parce que c'était 70 décibels. Tu penses que j'ai pas fait 70? Non, j'ai pas fait, je pense. T'as même pas fait de bruit. Bien, Wiz. Eh ouais. Mec, c'est notre dernier petit déj. Oui. Enfin, c'est notre petit déj, je pense. Et tu veux graille? Merci. Oh, je reçois un message. Nouveau score de décibels. 60 décibels maximum. Mais attends, mais 60 décibels, faut commencer à chuchoter. 60 décibels, faut chuchoter. Bon appétit, les copains. Sam, tu sais qu'on se méfie tout là, c'est ouais, bien. On devient parano de ouf. Gros, j'ai remarqué un truc où t'es trop fort et c'est ça qui fait la différence entre nous deux. C'est que toi, t'as l'habitude d'être un gros chien. Attends, je vais faire un test vite fait. On est au-dessus de 60? Attends. Mec, tu viens de faire un 59,8 là, quand t'as dit attends. 59. 59,8. Donc là, on est vraiment, mais vraiment à la limite. Je sais pas, c'est trop suspect. J'ai juré que tu préparais une galère. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, t'es bizarre. Moi, je pense que là, t'as fait trop de bruit et je pense que t'es pas loin. Vraiment, mec, c'est tellement sensible. Genre tout à l'heure, que je sais plus quand t'as dit attends là, un truc comme ça. Faut que je regarde. C'était finito. Genre, ouais, c'était vraiment finito. Ouais, t'as vu, ça peut aller tellement vite. Pour débriefer un peu ça, honnêtement, t'as été plus sournois que moi. Et j'étais un peu sous-estimé. Du coup, je suis là avec mon petit jus d'orange, je me réconforte. Moi, en gros, le truc, c'est que... Ouais, je préparais peut-être plus en amont le truc. Fils de pute. Il prend pour un trou de balle. Il prend pour un trou de balle, les gars. Ça va pas, Mich? Qu'est-ce qui t'arrive? La porte d'entrée indique que quelqu'un a sonné. Oh, vas-y donc, j'ai comme l'impression que t'as fait plus de 60 décibels. Mais bâtard, mais comment tu savais? Bah, c'est juste que j'ai regardé mon verre et c'était tout rouge à l'intérieur. Je me suis dit ok. Non mais tu sais qu'à un moment tu t'es assis. Ah ouais. Et t'as vu, t'avais un grand sourire. En fait, je savais et déjà. Et là, j'ai comme, oh bâtard. J'avais déjà vu. Par contre, il se passe quoi là? Je sais pas. Bonjour. Salut, Arthur de Brut. De Brut? Attends mais c'est... Attends mais... Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Enchanté, je peux pas parler très fort. C'est une vraie interview, c'est une forme de carte de visite par rapport à Brut. C'est un nouveau format qu'on fait actuellement. Tu vas bien? Salut. Enfin, Mastu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enchanté, enchanté. Vas-y, ça marche, allez, tout bon. On y va. Salut Mastu. Bienvenue dans la carte de visite de Brut. Bah écoute, moi, je m'appelle Théo, je suis plus connu sur internet sous le pseudonyme de Mastu. Je suis né le 8 novembre 97 et je fais des vidéos sur YouTube, divertissement. C'est bizarre qu'il chuchote. En fait, je pensais apporter une petite touche au format, ces cartes de visite ASMR un peu. Comme ça, si ça se croise sur TikTok ou quoi, ça, ils vont kiffer les gens. Ah, ok. Et du coup, un métier que tu as fait dans une autre vie, c'est trop le franchement, dans une autre vie, j'ai toujours voulu être vétérinaire. J'adore les animaux. J'entends pas ce que tu peux. T'es en train de me rendre fou. Oh, oui. Mais là, c'est moi qui me suis fait niquer dans mon propre jeu. Wesh, mais t'as envoyé un bison, frérot, sous le canapé. J'ai envoyé une grenade. Moi, j'étais concentré dans l'interview. Mais je me suis fait niquer à mon propre jeu. Du coup, ce qu'on peut reprendre, du coup, c'est... Vas-y, carrément. Moi, si j'avais dû faire un métier autre que celui que j'ai actuellement, je pense que je serais parti sur le métier de vétérinaire. C'est juste une interview et c'est merde. Il passe même pas la barre des 50. Mais attends, mais ces claques d'eau, ils sont boostés, je comprends pas. Les miens, il faut pas s'en bruit. Ces claques d'eau, ils sont niveau 200 par rapport aux miens. Pour ceux qui me regardent là, je me dis que j'ai peut-être un peu de portée, on est sur Brut. Arrêtez la haine, arrêtez la guerre et faites la paix. D'accord, avec plaisir, Arthur. Mais frérot, écoute-moi, j'ai trop le seum. Tous les happenings que je prépare, t'es trop allé dedans. Je comprends pas pourquoi. Mastu, les 24 heures sont officiellement terminées. Let's go! On peut crier! Woohoo! Oh mec! Déjà là, juste parler normal. Oh putain! Voilà mon vrai niveau quand je parle, quand je suis en vidéo et tout. Je mec, parle comme ça. Je me sens, ça y est, en adéquation avec mon énergie. Ouais. Là, les gars, c'était oppressant. L'interview, pour de vrai, ça me faisait un peu rire parce qu'il y avait un côté un peu prise d'otage. Oui, bah en plus, je me lançais des bisons, tout ce que tu veux. Voilà ça à la cam ou pas? J'ai de la merde partout là. Vraiment, juste nos dégaines à nous. Mec. Ça se voit qu'on a souffert et.
Le Airbnb. Ouais, le Airbnb, mec. Quand on est arrivé, ça sentait un peu bon. Maintenant, je sais pas, il y a une odeur max. Frérot, quand on est arrivé, écoute-moi, ça sentait le parfum niveau max. Et là, ça sent genre le feu d'artifice, ça sent le... La merde, ça sent le piment. Ouais, il y a trop de trucs. Franchement, j'ai passé vraiment des bêtes de 24 heures. Moi aussi, j'ai l'impression presque qu'on est en vacances. Je suis d'accord. C'était un peu hors du temps et tout. Comme on n'a pas beaucoup dormi, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé plus qu'une journée. En vrai, c'est un peu hors du temps et en même temps, on est vraiment nous-mêmes. Genre, il y a pas. Ouais, c'est trop cool. Franchement, mec, c'est trop bien. Je pense que le résultat est sans appel. Tu m'as mis vraiment une longueur d'avance. Dès le moment où vous m'avez fait le prank dans le van avec la voiture de cascadeur, j'ai jamais réussi à revenir. Ça, c'était le prime. J'avais jamais prendre quelqu'un aussi bien. Je suis mec, trop content. Vraiment, dès ce moment-là, c'est parti en couille pour moi. Toi, t'es surpris, mais tu le contiens trop bien, mec. Le pic de ma peur où vraiment je me suis dit, ah, j'ai pas réussi à contenir, c'était dans le cinéma, mec. Bah, frérot, merci. Bah, merci à toi. Merci pour ces 24 heures. Merci pour l'invitation. Les frérots, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je kifferais de fou faire un épisode 2 si je vois que la vidéo vous plaît et tout. Mastu, vous connaissez, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En ce moment, il envoie des balles. Ça fait trop plaisir. C'est quoi, la vidéo qui sort prochainement. Là, je viens de sortir un détecteur de mensonges avec McFly et Carlito. Okay. Et normalement, dans le laps de temps où cette vidéo sort, peut-être genre max une semaine après, il y a une vidéo. C'est un concept sur plusieurs heures. Comme le 24 heures, mais là, c'est en mode 10 heures. Ouais, c'est ça. Pour... 10 heures pour faire quelque chose. Ok. Et ben voilà, les frérots, allez envoyer toute votre force. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Bisous. Bye.